Bonjour à tous et à toutes. Nous espérons que vous passez une excellente journée et que vous êtes prêts pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui même, je vais vous présenter la présentation détaillée de base du projet et également parler des dirigeables. Pavel Filipov ne sera pas là aujourd'hui, mais il reviendra certainement mardi prochain. Écrivez dans les diffusions, dans les commentaires, si tout est visible, audible, si tout est en ordre. Je vois le chat. Génial. Aujourd'hui, il y aura quelques petites informations de base sur le projet d'aujourd'hui. Chaque mardi, classiquement, nous expliquerons pourquoi les dirigeables, pourquoi nous avons choisi ce projet. Nous expliquerons à quoi serviront les fonds des investisseurs, ce qui sera fait et réalisé avec cet argent. Aujourd'hui, je vais en parler de manière plus approfondie et détaillée. Puisque nous avons commencé à l'heure, et que beaucoup de personnes n'étaient pas prêtes pour cela, je vais d'abord parler des dirigeables en général. Pourquoi les avons-nous choisis finalement Qu'est-ce que c'est Je vais commencer de loin, naturellement. Il y a trois ans, nous avons rencontré Alexandre Nikolaïevitch Kiriline. C'est un académicien en activité, ancien créateur d'appareils volants. Il en a créé quatre. Il était le directeur d'une entreprise qui s'occupait des aérostats importés. Il gagnait de l'argent avec cela, bien sûr. C'est grâce à cet argent qu'il a pu construire les infrastructures. Nous l'avons rencontré il y a environ trois ans. Pour quelles raisons l'avons-nous rencontré Je travaille chez Solar Group depuis de très nombreuses années. En sélectionnant minutieusement et soigneusement des projets et en évaluant la technologie, tout d'abord la technicité, l'intensité scientifique, le degré de préparation de l'équipe, et bon gré mal gré, je me demande périodiquement ce qui serait vraiment génial. Avec des financements populaires, pour que la technologie soit super, que la mise en œuvre dans le monde soit énorme et que ce soit réalisable, et c'est ainsi que toutes les flèches ont convergé vers le dirigeable, et nous ne connaissions pas encore Alexandre Nikolaïevitch Kirilin. J'ai lu de nombreux rapports analytiques sur la direction générale des différentes industries, les industries aéronautiques, les industries du transport, de la logistique et bien d'autres. Et partout on voyait la nécessité de quelque chose comme un dirigeable, quelque chose qui puisse transporter de lourdes charges, peut-être pas à de grandes vitesses sans aérodrome, avec des décollages verticaux, et de nombreux pays avaient déjà commencé à se lancer il y a trois ans, voire même quatre. Les Chinois se développaient alors à fond, les Anglais essayaient encore de relancer leurs airlanders, les Allemands travaillaient évidemment, et puis est venue cette idée, comme une illumination, sur les dirigeables. Voyons ce que c'est vraiment. Et comment Beaucoup de gens, dans ce projet, dans ce chat, ont commencé à googler, simplement à regarder des vidéos, des sites, des articles, et il s'est avéré que beaucoup de gens trouvent cela très intéressant. Personne ne comprend vraiment où sont passés ces dirigeables, pourquoi ils sont si impressionnants par leurs caractéristiques techniques, et pourquoi ils devraient être et étaient autrefois. En général, il y a un intérêt très vif, et on ne sait pas d'où il vient ni quelle en est la nature. Les gens aiment les dirigeables, et ce fait se vérifie très rapidement sur Google. Vous ouvrez YouTube, vous tapez dirigeable, vous voyez combien il y a de vidéos, combien de questions, où sont-ils passés, combien de commentaires, ressuscitons-les. Et tout cela a conduit à l'idée que, wow, essayons de trouver quelqu'un qui s'occupe de cela. Et, comme il s'est avéré, notre pays possède l'une des écoles de dirigeables les plus fortes qui, déjà dans la Russie moderne, sans parler de l'Union soviétique, ont construit un grand nombre d'appareils. Les appareils étaient construits pour des tâches spécifiques. Ces appareils ont été fabriqués, ont accompli leurs tâches, ont été vendus dans notre pays. Par exemple, un appareil a été vendu en Thaïlande. Là-bas, en Thaïlande, il y a une monarchie, ou comme on l'appelle correctement, en général, il y a un roi. En l'honneur du roi, une sorte de peinture a été appliquée sur ce dirigeable avec l'inscription Nous aimons notre roi. Et même un tel dirigeable, construit en Russie, a volé en Thaïlande. Je ne connais pas son sort actuel, mais il s'est avéré que dans notre pays, il y a une équipe d'ingénieurs capables de le faire. Ce qui a été fait auparavant avec Alexandre Nikolaïevitch Kirillin et Avgur, c'est en quelque sorte le passé des dirigeables. De même, ce que font les Allemands maintenant, ce sont aussi des développements du passé. Mais les gens demandent des dirigeables modernes. Où sont les dirigeables super technologiques, avec un design cool, un confort de classe, des technologies ultra modernes, écologiques, économiques, etc. Et en faisant la connaissance d'Alexandre Nikolaïevitch Kirillin, j'ai compris que l'ancienne école est importante et nécessaire parce qu'ils l'ont déjà fait, ils connaissent tous les principes sur lesquels cette chose fonctionne. Comme le dit Kirilline, c'est un mécanisme incroyablement complexe et respirant, et pour qu'il remplisse toutes ses fonctions de manière stable, même simplement pour rester en l'air, il faut connaître une quantité infinie de subtilités, comment acheminer ces gaz ici, les extraire de là, ajouter de l'air, allumer les moteurs électriques, et faire tout ce travail de répartition des poids. En général, les subtilités sont importantes et toute l'ancienne école les connaît, mais la demande mondiale est tout de même pour des dirigeables modernes. Et tout cela se trouve très facilement sur Google. Lorsque vous tapez dirigeables modernes, des rendus incroyablement beaux apparaissent que de nombreux artistes dessinent comment ils aimeraient que les dirigeables ressemblent à l'avenir. Et là, eh bien, regardez des palais aériens incroyables, de différentes formes. Horizontales et verticales, ressemblant à des poissons, et là des dorés avec des plumes, il y en a de toutes sortes. C'est ce que les designers dessinent, et c'est réel. Eh bien, moi-même j'aimerais que de telles choses coulent, volent dans le ciel. Et il y a vraiment une demande pour cela Les Chinois font beaucoup de design, et ils dessinent tous ces bureaux volants verticaux. C'est à propos de ce qu'ils dessinent. C'est une demande. Il y a les équipes d'ingénieurs qui sont désormais rassemblées dans le monde entier, commencent à travailler sur le design industriel en collaboration avec les concepteurs spécialisés dans l'aviation qui assurent, pour ainsi dire, le vol lui-même. Ils ne se contentent pas de fantasmer comme des designers, mais font déjà du design industriel avec les ingénieurs là-bas. Il n'est plus possible de faire de si belles choses parce que, comme d'habitude, nous voulions quelque chose de beau. Mais ce que vous pouvez faire avec l'école des dirigeables est mauvais et tout le monde fait toujours référence aux anciennes formes, aux anciens aspects, etc. Et maintenant, nous avons cette opportunité, c'est pourquoi nous avons entrepris ce projet sur les dirigeables. Tout d'abord, parce qu'il y a une demande énorme parmi la population mondiale. Tout le monde veut voir des dirigeables, tout le monde veut les voir super modernes. Nous avons eu la chance que la Russie soit un organisme jeune et en développement dynamique. Nous avons actuellement des idées très cool du côté du design. Je reviens maintenant au design. Nous avons une vieille école qui comprend comment faire tout cela, faire en sorte qu'elle vole. À propos des designs vraiment cool et autres, nous avons voyagé à travers le monde. Beaucoup de conférences ont été organisées dans différents pays sur le projet précédent, sur le projet actuel et sur les moteurs de Dwenov. Et en revenant à Moscou, tu marches quand même et tu te rends vraiment compte à quel point Moscou a beaucoup progressé en termes de confort. Tu arrives dans un restaurant, mais non européen. Il a déjà pris une avance considérable. Il s'agit à la fois de l'ergonomie de l'espace lui-même, de son apparence extérieure, ainsi que de l'organisation du service et d'autres aspects même. Quand tu arrives dans un nouveau complexe résidentiel, tu regardes comment ils sont aménagés, bien avancés, et il se trouve que, dans notre pays, une jeune école de designers, d'architectes et de constructeurs a émergé, qui sont prêts à aller de l'avant. Oui. La Chine avance très rapidement, c'est clair. Il est impossible de les rattraper avec leurs machines. Et d'ailleurs, ils fabriquent des dirigeables. Mais, encore une fois, le premier dirigeable qu'ils ont fabriqué était une copie complète de l'AU-30, qui avait été conçu par le même collectif d'ingénieurs sur lequel nous. Basons ce projet. Autrement dit, ils n'ont pas immédiatement commencé à le concevoir. Ils ont d'abord essayé de reproduire quelque chose qui volait déjà. Et heureusement, ils ont réussi. En général, je suis sûr que les Chinois essaieront bientôt de faire de belles choses, de beaux appareils design, des puissances modernes de nouvelle génération. Mais il y a un problème, c'est que les Chinois copains bien et ont du mal à inventer par eux-mêmes. Avec une probabilité de 99%, nous serons les premiers en ce qui concerne les puissances modernes. Sur la base de cette ancienne, École, nous formons actuellement une équipe de conception avec de très puissants designers industriels. Nous faisons appel à de véritables experts du secteur, car nos instituts forment en réalité des designers industriels très compétents qui dessinent superbement des voitures, des yachts et des avions. Mais ce n'est pas seulement du dessin, c'est vraiment du design industriel et des spécialistes de MEI, de NAMI et d'autres instituts sont très demandés dans le monde entier, et ils partent le plus souvent à l'étranger parce que dans notre pays, tout est clair avec l'industrie automobile, tout est clair avec l'aviation, et en général, il est assez difficile de trouver un emploi. Ce groupe, disons, n'est pas un groupe, mais une foule de jeunes désireux de faire quelque chose de génial. Il y a un leader. En général, nous avons parlé avec un excellent designer industriel, lui aussi russe, qui a travaillé. Dans de grandes entreprises, avec Citroën, avec Volvo, avec des Chinois. Voici les principaux designs impressionnants. Ces voitures chinoises qui ont l'air super là-bas, c'est tout son œuvre. Il a travaillé comme dirigeant dans toutes ces entreprises. Maintenant, il est revenu dans notre pays. Et quand nous avons discuté avec lui, il a dit qu'il était vraiment possible de concevoir un appareil incroyablement cool. J'ai dit, c'est possible. Il a dit, les gars, j'ai conçu de tout, mais je n'ai pas encore fait de dirigeable. Je suis partant avec vous. Et quand tous nos puzzles se sont assemblés, les ingénieurs responsables de faire voler cet engin, tout sera testé dans des modèles aérodynamiques. Tous les outils mathématiques sont déjà créés pour calculer tout cela. En termes d'efficacité, de puissance énergétique et d'autres aspects, nous avons également tous les modèles mathématiques, les méthodes de calcul et des designers talentueux. Il y a une demande. La question est la production. Et quand la dernière question de production a été résolue, nous avons alors compris que bon sang, tout semble vraiment se mettre en place pour que nous les lancions et avec la production, c'était très amusant car il y a un excellent industriel, un producteur nommé Ruslan. Sa véritable mission est de créer et de lancer des usines et il en a déjà fait plusieurs, à la fois avec les fonds attirés et avec certains qu'il a lui-même attirés. Récemment, il avait un projet, maintenant il fonctionne et a atteint les volumes nécessaires. Ruslan est un aviateur à part entière, ils se sont occupés de la production de moteurs pour l'aviation et les hélicoptères, et il fabriquait de petits hélicoptères légers et des autogires, et il fabriquait aussi des avions, mais tout cela était son hobby. Pendant qu'il se consacrait à ce hobby, il construisait en parallèle des usines pour la production de convoyeurs pour le traitement du poisson, une usine pour la production d'un certain type d'engrais bactérien. Des petites usines, des petites usines, des petites usines. Et en parallèle, il s'occupait de l'aviation. Et quand nous sommes allés voir Ruslan, nous lui avons demandé Ruslan, pourras-tu assurer la production en série des dirigeables Les concepteurs sont là, ils développeront toutes les constructions. Ces concepteurs disposent également des technologies nécessaires ils expliqueront les principaux composants et autres, ainsi que tout le processus technique tel qu'ils le voient. Ruslan a dit Waouh Les dirigeables C'est vraiment cool. Je suis totalement pour. Et depuis que Ruslan en a parlé, on dit en fait que c'est une couche très fine de vrais producteurs, de constructeurs, d'ingénieurs qui s'occupent de l'aviation dans le pays. Et tout le monde connaît Ruslan parce que s'il fallait résoudre un problème lié à l'aviation, même beaucoup de gens, eh bien, il y a une commande d'État pour le développement d'un moteur pour l'aviation. Cet ordre public est pris par un institut. L'institut cherche quelqu'un pour le réaliser. Celui qui va le réaliser cherche encore quelqu'un. C'est le schéma standard. Tous les fils mènent à Ruslan. Que Ruslan ait obtenu une commande pour le développement du rotor, ou plutôt pour sa production, via certains d'autres pour le développement de l'arbre, par d'autres encore pour le développement du corps. En gros, il a assemblé le moteur, l'a produit, testé, distribué toutes les pièces, et tout cela est remonté en haut. En gros, tout le monde dans l'aviation connaît Ruslan, et quand il a dit qu'il allait s'occuper des dirigeables, eh bien, tout le monde continue d'appeler. Ruslan dit que son téléphone n'a jamais été aussi saturé, tout le monde veut travailler, tout le monde veut construire des dirigeables, tout le monde propose son aide, depuis les calculateurs jusqu'aux simples machinistes. Tout le monde dit que c'est super cool et qu'ils veulent voler en dirigeable. Et quand tout ce puzzle s'est assemblé, il s'est avéré que tout était en place pour le faire. Sergei Semenov a créé un chat et c'est probablement à travers ce chat et cette activité que vous... Et il est clair que des personnes du projet actuel du moteur de Duenov sont certainement venues ici pour les dirigeables. Mais c'est évident. L'audience est immense, et il n'y aura pas seulement des personnes du projet actuel, mais aussi des gens qui viennent simplement pour le dirigeable. Parce que, je le répète encore une fois, regardez n'importe quelle vidéo sur YouTube sur le dirigeable il y a une chaîne sur la création. J'ai vu cette vidéo hier, elle date de plusieurs années elle est là depuis trois ans. Ouvrez simplement les commentaires et lisez ce qui s'y passe. Chaque premier commentaire dit Waouh, nous en avons besoin. En gros, Sergei Semenovtsev de Louchat a lancé le projet. Et maintenant, lors de ce webinaire, je vais vous expliquer où ce projet va aboutir dans les prochaines années. Maintenant, si la présentation est visible, elle aurait déjà dû être visible plusieurs fois. Ce sont les aspects techniques. Kirillin a des modèles 3D dirigeables. Vous pouvez tous les voir sur le site aoerostatica.com. Ce site est directement accessible via les messages épinglés dans le chat, sur Telegram, dans la section de prélancement. C'est le tout premier message en haut. Regardez à quoi ressemblent ces dirigeables. Nous les avons simplement passés par un réseau neuronal pour changer leur apparence extérieure. En gros, le fait qu'il y ait ici des moteurs supplémentaires qui ne ressemblent pas tout à fait à ce qu'ils devraient, eh bien désolé, nous nous sommes simplement débarrassés très rapidement. Des inscriptions Sirius Russie, bien que les inscriptions soient magnifiques, il faut juste travailler sur le design. En gros, voici l'apparence extérieure des dirigeables. Pour l'instant, deux sont montrés ici. En bas, ça c'est un dirigeable stratosphérique. En haut, c'est déjà un modèle touristique de 40 tonnes. Il est à deux niveaux, avec des balcons, etc. En gros, je vais vous expliquer comment nous y arriverons. Pour l'instant, je peux dire que la stratosphère et le tourisme en particulier sont mentionnés ici. La stratosphère est un marché absolument immense, et on pourrait se demander quel est le rapport avec les dirigeables et la stratosphère, mais il s'avère qu'il est possible d'atteindre la stratosphère grâce à la même force d'Archimède qui permet aux dirigeables de voler, et c'est là qu'il faut monter. La stratosphère n'est pas entièrement occupée. Les gens ont maîtrisé l'air, nous volons ici sur des hélicoptères, des avions, sur tout et n'importe quoi, sur des parapentes, des parachutes, nous tombons simplement en chute libre, mais la stratosphère n'est pas occupée, l'espace est occupé, donc il y a une couche intermédiaire qui n'est pas occupé, et il y a beaucoup de possibilités pour résoudre des tâches commerciales, assurer la communication, l'Internet, la télédétection de la Terre. En général, une multitude de tâches qui sont spécifiquement commerciales, à l'exception de ces projets romantiques pour lesquels il est très facile de recueillir des investissements dans le monde entier, c'est pour monter soi-même dans la stratosphère, y amener une petite capsule, comme quelques chambres dans un hôtel, Rester suspendu dans la stratosphère et regarder en bas. C'est, eh bien, pratiquement du tourisme spatial. Et il y a actuellement plusieurs startups dans le monde qui disent qu'elles le feront bientôt. En réalité, ce n'est pas difficile à réaliser. Et Alexandre Nikolaevitch ne voudrait pas que nous nous en occupions. Mais... Moi-même, pour être honnête, je suis curieux de monter dans un dirigeable jusqu'à la stratosphère. C'est... C'est de la folie. D'abord, des variantes sans pilote, avec divers moyens techniques de sondage de la Terre, de communication et autres. Mais si nous avons déjà quelque chose qui monte là-haut, pourquoi ne pas y monter nous-mêmes et faire un tour tous ensemble C'est la stratosphère. Il y a une multitude de tâches, la romance est folle, comment allons-nous y arriver Je vais commencer à expliquer maintenant. Ce qui est créé avec l'argent des investisseurs, avec l'argent des investissements participatifs, parlons d'abord de pourquoi le financement participatif, pourquoi les grandes personnes ne s'investissent pas, pourquoi l'État, les corporations, etc., ne s'investissent pas. On ne peut pas dire qu'ils ne s'investissent pas. Alexandre Nikolaevitch a frappé à la porte du ministère, a frappé à la porte des corporations, et il a finalement réussi à atteindre Rostec, et Rostec avait déjà. Approuvé complètement le projet pour sa réalisation, et c'était il y a plusieurs années, environ quatre ans, et ils ont dit Oui, Alexandre Nikolaïevitch, tu es très bon, les développements sont géniaux, l'équipe d'ingénieurs, les concepteurs, les scientifiques que tu présentes nous conviennent parfaitement. Allons-y, construisons des dirigeables. Le plan d'affaires a été approuvé, la feuille de route du projet a été approuvée. Le travail avait déjà commencé. Et comment le Covid-19 est-il arrivé par hasard C'est-à-dire que Rostec avait déjà pris Kirillin en charge pour le financement. Le Covid-19 est survenu et d'un trait de plume, presque toutes les directions d'investissement de Rostec ont été annulées au stade zéro, comme le stade avec Kirillin. Pourquoi le stade est-il zéro Je vais expliquer pour cette même raison que l'argent non gouvernemental, ce n'est pas plus que d'autres corporations ne veulent particulièrement s'impliquer dans cette histoire parce que oui il y a quelques enthousiastes qui courent enfin courent excusez-moi frappent aux grandes portes et disent voilà nous sommes capables de développer des dirigeables géniaux de remplir une liste de tâches très importante à la fois commerciale et gouvernementale en général et tout cela est rentable etc. Alors, lançons-nous. Leur première question est posée Où est votre bureau d'études Où est votre équipe d'ingénieurs Montrez que vous êtes déjà installés et que vous travaillez. Ils disent Voici mon équipe d'ingénieurs. Tout est prêt. En réalité, celui-ci travaille dans une entreprise spatiale celui-là, dans une entreprise de défense et celui-ci, dans une troisième. Donnez-moi de l'argent je les réunirai et nous démarrerons. Et voilà donc cette étape zéro. Et pour cette étape zéro, seul Rostec a accepté. Et puis, bam, Covid-19. Et ils ont arrêté le financement d'Alexandre Nikolaevitch. On lui a aussi donné un peu d'argent avec lequel il a survécu pendant un certain temps. Et il est tombé entre nos griffes. Ces ingénieurs travaillent vraiment tous. Il est évident que tout le monde doit nourrir sa famille, subvenir à ses besoins, entretenir sa maison, etc. Eh et bien, les dépenses courantes, Kirilline, start pair cherchent de l'argent partout. Et tout le monde dit « tu trouveras » et naturellement, nous nous rassemblerons tous. Et nous, oui, à propos de nous rassembler tous, ce n'est pas si simple non plus. Il s'est avéré facile et simple de trouver des spécialistes en dirigeables dans le pays si on compte directement les têtes, il y a 20-30 spécialistes vraiment très compétents, des gars vraiment géniaux, qui ont lancé tout cela auparavant et qui plaident maintenant pour que cela continue. Parmi eux, il y a plusieurs équipes de gestion. On peut distinguer trois pôles. Tous les autres sont des ingénieurs, des scientifiques, etc. Et chaque pôle dit C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à dire... C'est mon équipe. Et ils disent Écoutez, nous construirons des dirigeables comme vous voulez, mais que quelqu'un trouve le financement et assure la gestion de tous ces processus. Et il s'est avéré que, en nous préparant pour le projet, nous avons involontairement tout fait nous-mêmes avec la gestion nous avons trouvé la production, les designers, et bien sûr, nous avons. Un espace personnel, cette structure financière, la plateforme elle-même, à travers laquelle il est possible d'attirer des fonds. Et c'est ainsi que tout cela s'est bien réuni, y compris le bureau d'études. Et la première chose à faire maintenant est de réunir toutes ces personnes sous un même toit, sous une même entité juridique. Et ce sera une entité juridique commune entre notre entreprise nouvellement créée, ou plutôt... Ce sera une entreprise nouvellement créée où entrera l'investisseur collectif Solar Group également à 49% comme dans le projet actuel et y entreront également AO Aerostatica qui est l'entité juridique d'Alexandre Nikolaevich Kiriline. Ainsi que d'autres réalisateurs de projets connexes, les réalisateurs sont l'Institut d'aviation de Moscou. Ils ont un bureau d'études expérimentales de recherche et développement. Il y a beaucoup de monde qui travaille là-bas et c'est un bureau d'études expérimentales. Ils lancent des avions, les certifient ainsi que d'autres équipements de vol et ils participeront pleinement au projet. Tous les accords sont en place avec eux. De même pour Nami aussi. Nami dispose également d'une production expérimentale où ils ont fabriqué leurs premiers Horus et ils sont prêts à produire sur cette même ligne. En fait, j'ai lu ces documents sur l'accord entre l'aérostatique et nous et quelle partie du travail sera prise en charge par nous. Il ne s'agit pas seulement de l'intérieur, des sièges, de l'apparence extérieure, etc., mais aussi de diverses transmissions, de nombreux composants métalliques, du système de carburant, du groupe motopropulseur, du moteur à essence. Je vais aussi en parler. En gros, cette entité juridique comprendra les principaux réalisateurs plus un investisseur collectif. Pour cette entité juridique, des espaces seront loués où tous les, disons, luminaires de l'État pour la construction seront installés, ainsi que le personnel scientifique et technique de base. En gros, simplement des concepteurs, des calculateurs, des chercheurs. Et voilà, elle apparaîtra, pour ainsi dire, la première étape. Nous ne serons plus à une nouvelle étape, car nous sommes tous unis, nous avons tous une spécification technique claire et compréhensible, une hiérarchie, et donc un organisme et un mécanisme apparaissent. La réalisation de ce projet est possible grâce aux investissements participatifs, mais cela n'a pas fonctionné, pour ainsi dire, et en général, cela ne fonctionne pas seulement pour le dirigeable. À ces étapes initiales, de nombreuses technologies sont en suspens et nous les avons toutes sélectionnées et examinées. Ensuite, il est évident que les concepteurs vont concevoir en coopération étroite avec l'industrie. Tout cela sera produit, modélisé, testé, etc. Dans ce cas, je parlerai de la production un peu plus tard. Il n'est pas nécessaire de construire une usine. Toutes les usines existent déjà et fonctionnent. Notre tâche est simplement de distribuer des spécifications techniques claires, de recevoir les composants et les agrégats et de tout assembler ensemble. Et pour assembler tout cela, il faut nécessairement de la terre. Et c'est là que nous avons actuellement, en fait, un dilemme de gestion de manière significative. La première chose est d'acheter un terrain et là, il y a encore une bifurcation. Quel terrain spécifique voulez-vous acheter Vous pouvez acheter 150-200 hectares de terres agricoles et les convertir lentement et péniblement en terrain industriel y amener toute la route, l'électricité, le gaz niveler le site car c'est quand même une histoire d'aéro, une ville aéro tout doit être plat, sans bosses, trous et ornières. En gros, c'est une fois pour l'achat. Deux fois pour l'achat. Acheter un aérodrome prêt. Il y a énormément d'offres. Nous accumulons tout de différentes régions, même de Moscou et de Smolensk et du sud de la Russie. Ils appellent et disent ⁇ Voilà, il y a un aérodrome en activité. Tout est en ordre. La terre est enregistrée comme il faut, avec tous les documents d'autorisation nécessaires. Ils ont simplement pris l'héritage soviétique. ⁇ il est resté chez nous pendant un certain temps. Et maintenant, c'est une dépense supplémentaire pour nous. Et si vous envisagez de construire quelque chose de grandiose, pourquoi prendre des terres agricoles Prenez notre aérodrome prêt. Et d'un côté, c'est génial de prendre un aérodrome prêt. Et. Il sera en pleine propriété. Et il s'avère que l'argent des investisseurs est très bien protégé parce que c'est une propriété. C'est de la terre. Elle ne disparaîtra nulle part et elle ne fera qu'augmenter en valeur, car divers projets commenceront à y être construits. Et voici les hangars dont je vais justement parler maintenant, mais il y a une deuxième option, ne pas acheter ce terrain, et même ne pas le louer. Nous recevons des appels nous invitant à venir chez eux. Ils ont un immense aérodrome avec 500 hectares de terrain sur le plan général de la ville. Ils nous proposent de collaborer ensemble, de devenir cofondateurs, de construire, et ils nous aideront avec tout le travail administratif, car il y a vraiment beaucoup de travail avec l'administration. Si tu veux construire un site à Aérograde, tout le monde comprend que ce n'est pas seulement une question de construire un site industriel. Tout le monde est au courant du projet actuel et sait combien il y a de paperasses à gérer, et tout ce qui est lié à l'aviation est encore plus compliqué, et ici. En général, ils proposent de telles choses. Venez chez nous en partenariat, et à mon avis, c'est la meilleure option pour entrer en partenariat. Avec des gens qui ont déjà de la terre, il s'avère que si nous entrons en partenariat, elle devient partiellement la nôtre, et ainsi, euh, l'argent économisé, pas besoin d'acheter de la terre et de dépenser de l'argent, nous pouvons simplement prendre un bon partenaire et immédiatement, pour ainsi dire, commencer à construire dépenser de l'argent pour la construction. Nous économisons ainsi du temps et de l'argent, bien sûr. Et cette option est la plus prioritaire. Nous avançons précisément dans cette direction et nous y arriverons probablement. Parce que la dynamique est positive. Nous signerons tous les contrats nécessaires et ils pourront être rendus publics et annoncés officiellement. En gros, avec l'argent des investisseurs, plus précisément des investissements participatifs, et bien sûr, avec l'argent des investisseurs, en plus du bureau d'études, nous acquérons également un terrain sur lequel nous serons obligés de construire deux hangars. Et tout cela est également inclus dans le coût du projet. Deux hangars. C'est le tout premier hangar pour un très petit dirigeable. Et plus. En parlant de la stratosphère, la stratosphère est en sixième position, c'est-à-dire si l'on classe les dirigeables du tout premier jusqu'à celui de la stratosphère. Eh bien, il y en a encore d'autres, bien sûr. Donc, il est initialement le sixième. Mais tout est progressif. Un petit appareil sera construit là-bas en deux versions. Je vous en parlerai plus tard. Puis un appareil plus grand, puis encore plus grand. Et seulement un peu plus loin de l'atmosphère. Et pour chaque appareil, pour chaque type d'appareil, il faut construire son propre hangar. Parce qu'ils sont tous différents. Et un hangar, c'est comme un garage, c'est comme un atelier d'assemblage, c'est comme un endroit où toutes les pièces les moteurs, les gondoles, les enveloppes, plein de choses convergent de tous les secteurs. Et c'est dans le hangar que l'assemblage final de l'appareil sera effectué. Et donc pour chaque type, il faut son propre hangar. Et nous avons inclus dans le projet le coût de construction de deux hangars. L'un pour le premier type d'appareil et l'autre pour le second type. Ce qui est créé ici, c'est la production. J'ai dit que la construction d'usines en tant que telle n'est pas nécessaire. Toutes les usines nécessaires existent déjà et tout cela peut être produit en coopération étendue. Cela nous économise du temps et de l'argent à la première étape. Cependant, la production de certains composants critiques, des mécanismes et des enveloppes doit rester sous notre contrôle sous celui de notre entreprise. C'est critique dans le sens où si vous racontez tout à tout le monde, alors quelqu'un d'autre pourra s'entendre sur cette même coopération et commencer à faire la même chose sans vous. C'est-à-dire que les technologies critiques, en particulier les processus techniques, doivent rester sous notre contrôle. Et ces technologies existent. Les processus technologiques existent, la compréhension est là, les conceptions sont là, tout est là. Il suffit simplement de mettre en place cette production. Mettre en place la production de manière efficace, efficiente et organisée. Une partie de cette production sera organisée à l'intérieur des hangars et une autre partie sera déplacée vers de petites surfaces qui peuvent être louées à proximité de l'aérodrome. C'est en général un peu plus tard. Très petit, environ 300 mètres carrés, juste pour que quelques sections mécaniques effectuent un certain travail. Ce n'est pas du tout la construction d'une usine. En général, mais. C'est précisément la production de technologies critiques. Il s'avère que la propriété intellectuelle de cette entreprise sera non seulement de nature conceptuelle, mais aussi technologique. Il est clair que, avec tous les instituts sectoriels de transmission, ce sera pareil, comme notre entreprise qui commande le développement chez le même. Il est clair que tout ce développement, la propriété intellectuelle, nous appartiendra, peu importe comment ils la développent. Et ce n'est plus un secret, du moins pour eux. En ce qui concerne la partie production des technologies critiques, ce sera notre secret, ce sera notre propriété intellectuelle à 100%. En dehors des brevets, des savoir-faire, etc., il est bien de concevoir quelque chose, mais il est difficile de le produire de manière qualitative, peu coûteuse et en série. Et c'est ce que nous nous réservons. Il est également prévu de créer une école de pilotes et de techniciens pour entretenir les dirigeables. Pour voler avec eux, il faut du personnel. Je ne sais pas combien de postes spécifiques il y aura, mais il y en aura beaucoup. Imaginez simplement que vous arrivez à un aérodrome, disons à Domodedovo. Ou cher vaut », combien de personnel y a-t-il réellement À partir de l'entrée, il y a des employés, des comptoirs d'enregistrement, des employés au comptoir d'information, des employés que nous ne voyons même pas. Ils courent quelque part là-bas. Les répartiteurs qui coordonnent tout cela, les douanes là, bien sûr sont des services distincts ici. Euh, C'est une séparation distincte. Mais quand vous arrivez sur la piste, quelqu'un charge ses bagages, quelqu'un traite les avions. Avec un composé anti-givrage, beaucoup de techniciens, sans compter les pilotes qui sont assis dans l'avion. C'est une infrastructure très lourde et importante pour les avions. Pour les dirigeables, elle est considérablement plus petite, mais le personnel est tout de même nécessaire. Ils doivent tous avoir des diplômes, des certificats, des autorisations de travail, et pour que tout cela soit possible, il faut une école. L'école sera physique. Où ils s'assoiront, bien sûr, où ils apprendront tous, etc. L'école fonctionnera également sur une base commerciale en formant des personnes extérieures, mais je ne veux pas, je voulais dire, le plus intéressant, c'est que pour l'école de dirigeables, il n'y a vraiment absolument pas besoin, en fait, de méthodes surnaturelles. Les lois et ainsi de suite, tout cela existe quand vous, si vous vouliez ouvrir une école de pilotes, c'est possible d'ouvrir une école privée de pilotes. Pour les pilotes privés. Alors vous prendriez les documents et la documentation normative selon laquelle vous le feriez là, vous liriez ce que. Les écoles pour les avions, les hélicoptères et les dirigeables. Il n'existe pas. Actuellement, mais toute la documentation est immédiatement destinée aux dirigeables, donc il n'y a aucun problème du point de vue administratif, du point de vue méthodologique, oui. Les méthodes de formation sur avion et sur dirigeable sont complètement différentes. Mais dans la Russie moderne, comme je l'ai déjà dit, ils ont volé beaucoup, et dans diverses structures, tant privées que publiques, et militaires. Partout, ces pilotes et techniciens ont été formés, donc il y a une expérience des années passées et une compréhension de ce qu'il faut faire maintenant. Cette école est vitale pour nous afin de lancer tout cela. Elle sera donc créée, c'est prévu. Il y a des spécialistes qui s'en occupent. Si vous avez regardé notre grande conférence, Sergei a pris la parole et a dit qu'il ne voyait aucun problème, qu'il fallait former les pilotes plus rapidement. Une question a été posée dans le chat à propos des simulateurs, comme ceux pour les avions et les hélicoptères. Y a-t-il des simulateurs pour les dirigeables La réponse est oui, il y a des simulateurs. Mais ils ont tous été créés pour les dirigeables de l'époque avec les instruments et l'avionique de l'époque. Donc il y a un simulateur, mais il est obsolète et de nouveaux seront créés et ce n'est absolument pas un problème. Qu'est-ce qui est créé Les projets commerciaux externes sont indiqués ici. Je vais expliquer maintenant en détail et en profondeur. Une société mère, qui est une entité commerciale stable et durable, est créée, ou, pour le dire autrement, une unité commerciale stable et technologiquement avancée. C'est un bureau d'études, avec des gars géniaux qui conçoivent des dirigeables et les produisent dans une large industrie. C'est un terrain avec deux hangars où ces dirigeables sont assemblés. C'est une sorte de production secrète avec des technologies critiques. Toutes ces choses sont créées par cette école de pilotes et de techniciens, et donc il y a un hangar et un autre hangar, ils peuvent déjà les produire en série, bien sûr après, les essais en vol, après la certification, l'obtention du certificat de type, ils peuvent déjà les produire en série, et c'est donc une cellule d'affaires fondamentale, insubmersible, qui peut déjà atteindre l'autosuffisance et tout le développement futur se fera grâce à sa commercialisation, c'est-à-dire qu'il y en aura assez pour les dividendes et pour le développement. Et à propos des projets commerciaux externes, il s'agit du fait que cette société mère est juridiquement la même entité juridique où la moitié appartient à l'investisseur collectif et tout ce qui sera construit à l'avenir, y compris d'autres hangars. Et d'autres types d'appareils développés appartiendra naturellement à cette société et donc à l'investisseur collectif. Mais imaginons un scénario, et cela arrivera naturellement, et il n'est pas certain que tout cela doive nécessairement se réaliser jusqu'au bout. Un grand client arrive et dit, j'ai besoin d'appareil. Vous faites du bon travail en construisant ce petit appareil, mais pouvez-vous commencer à construire immédiatement un appareil spécifique pour moi Il doit résoudre cette tâche particulière. En gros, je vois que vous êtes sérieux ici. Votre bureau d'études est déjà en train de travailler. Quelque chose est en cours de production. Vous construisez des hangars. Je vous fais confiance. En gros, développez-moi cet appareil, s'il vous plaît, qui, eh bien, n'était pas dans notre gamme, et il dit, j'en ai besoin, voici de l'argent. Évidemment, ces fonds incluent déjà un certain profit. Et c'est précisément ce profit qui devient presque immédiatement un dividende. Pourquoi pas et c'est justement à propos de ces projets commerciaux externes. Autrement dit, pendant que la société mère est organisée avec l'argent des investisseurs participatifs, de gros capitaux peuvent arriver de l'extérieur. Et donc nous faisons en sorte que ces grosses sommes d'argent, en entrant dans ce projet, génèrent des bénéfices pour l'investisseur, car l'investisseur participatif passe tout de même par l'étape zéro, et il devient en quelque sorte le parent de ce projet, tout comme nous le sommes de l'autre côté. Donc, si de grosses, grosses sommes d'argent sont déjà investies dans quelque chose de près, il est évident que les investisseurs doivent en bénéficier en termes de chiffres. Qu'est-ce que cela signifie Un volume d'investissement de 100 millions de dollars, sans compter les référencements, il n'est pas nécessaire de multiplier par deux, tout est déjà multiplié ici. Donc, il faut attirer 100 millions de dollars pour organiser un bureau d'études, réaliser tous les travaux sur les terrains, si nous entrons en partenariat, ce serait formidable. Nous aurions même une petite réserve, construire des hangars, fonder une école, construire deux types d'appareils, deux de chaque, car un seul ne suffit pas pour effectuer les essais en vol. Donc deux de ceci, deux de cela. En plus, organiser sa propre petite production, c'est-à-dire préparer tout cela pour la production en série de ces deux types d'appareils, cette somme est suffisante. La durée de réalisation est d'environ 3 à environ 5 ans. Je ne sais pas. Comment l'appeler Ni optimiste ni pessimiste. Le délai est tel que dans 3 ans, voire plus tôt, le premier appareil sera déjà en vol. Bien sûr, d'abord un petit puis un plus grand. Il est tout à fait probable qu'un très petit modèle sans équipage volera probablement déjà dans un an ou un an et demi. Probablement. Je le dis bien sûr à mes risques et périls, mais la probabilité est très élevée. Et donc 3 à 5 ans, en tenant compte du fait que nous allons terminer la construction, mettre en service ces hangars. Construire bien sûr ces dirigeables. D'abord tester tous les essais au sol des composants et des agrégats. Ensuite, les essais en vol. Les essais en vol prennent vraiment beaucoup de temps. Et compte tenu des essais en vol déjà effectués, toute la technologie est certifiée et nous sommes prêts pour la production en série de ces appareils. Cela prend de 3 à 5 ans. Il s'avère que dans 3 à 5 ans, cette machine commencera déjà à générer des bénéfices, sans compter les grosses sommes d'argent qui arriveront bien plus tôt, et sans compter les projets commerciaux parallèles que nous prévoyons également de réaliser, dont je parlerai un peu plus tard. La capitalisation est indiquée à partir d'un milliard de dollars. Comment avons-nous calculé cela Eh bien, il existe une formule standard assez rudimentaire du type 3 bénéfices annuels, cumulés, et voilà la capitalisation de votre entreprise. Donc, divisez cela par 3, et vous comprendrez quel sera le bénéfice annuel de la production en série de ces deux types d'appareils. Le petit sera produit à raison de 12. Unité. Il n'est plus nécessaire de produire des unités de 10 tonnes, jusqu'à 25 unités seront produites. Un seul hangar pourra produire en série. Plus ou moins en fonction de leur nombre et de la qualité, et il est globalement clair comment cela se passera. Et c'est la capitalisation selon les estimations les plus pessimistes. Cela ne tient pas compte du fait que les dirigeables sont incroyablement beaux, super technologiques, qu'ils représentent l'avenir, une percée économique et ainsi de suite. Ce ne sont que des chiffres secs, produits, vendus, bénéfices obtenus, multipliés par 3, mais personne ne calcule la capitalisation de cette manière depuis longtemps. Prenons Uber, il n'a aucun bénéfice mais sa capitalisation est énorme. C'est donc l'évaluation la plus la plus la plus modeste et la plus inadéquate possible. Là-bas, ce sera beaucoup plus impressionnant dès que le dirigeable de 10 tonnes décollera et encore plus. Après les stratosphériques, tout le monde deviendra riche car cela constituera la base d'un secteur entier qui n'existait pas auparavant. Ce secteur est à la fois logistique, touristique, technologique et stratosphérique. Cela inclut les communications et les transports, tout y est. Regardez la vidéo d'un blogueur américain populaire, je ne me souviens plus de son nom, quelque chose avec un V. Qui a récemment publié son propre avis sur les dirigeables. Il dit Bon sang, je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas là. Enfin, en fait, je comprends. Je comprends que tout le monde a commencé à les faire. Regardez, voilà. Tous ces liens sont dans le chat sur Telegram et sur cette vidéo. Nous pouvons les dupliquer pour qu'ils apparaissent à nouveau ici. Ceux qui ne les ont pas vus, regardez. Il compare les coûts. Par exemple, les avions transportent une certaine quantité de marchandises pour un certain montant d'argent tandis que les navires transportent une autre quantité de marchandises pour un autre montant d'argent, et les camions transportent encore plus pour un autre montant d'argent. Il explique presque de manière simpliste que si on lance un dirigeable et que l'économie de celui-ci est déjà prouvée et calculée, alors cette entreprise deviendrait la plus grande entreprise de la planète en termes de capitalisation et de chiffres d'affaires avec des chiffres complètement fous, un nouveau chemin de la soie du 21e siècle. Et cela ne concerne que la logistique des gros volumes, sans compter le tourisme stratosphérique, les missions spéciales et bien d'autres domaines connexes. Voilà la perspective. Alors ici, je vais vous parler un peu plus en détail de ces deux appareils, ce qu'ils représentent. Il est indiqué qu'il s'agit de deux appareils de 2 tonnes, c'est-à-dire qu'ils peuvent soulever 2 tonnes et environ deux appareils de 10 tonnes. Chacun des appareils sera construit en différentes versions. Le modèle de 2 tonnes sera le premier à être produit sous la marque Horus. Ce sera un modèle passager avec 6 places, une petite salle de bain et une kitchenette. Donc cette nacelle s'appelle ainsi où les gens s'assoiront. Et tout se passera, on peut encore y charger jusqu'à une tonne de personnes, d'objets, d'eau, de provisions et d'autres choses, à Horus. Ils veulent vraiment avoir un dirigeable cool sous leur marque, ils en ont besoin, nous en avons aussi besoin, alors nous le construisons ensemble avec eux. De plus, tout ce système aérien et gazier, le moteur et l'avionique, peuvent fonctionner sans cette nacelle pour 6 personnes. Donc, si nous la retirons, nous obtenons encore une tonne là-bas, voire plus. Au total, en mode sans pilote, nous obtenons un appareil qui peut soulever 2 tonnes, dans les airs, les transporter sur quelques milliers de kilomètres ou rester en vol stationnaire au-dessus d'un point. C'est un produit commercial vraiment très cool, innovant, très utile et très pratique. Un drone sans pilote capable de transporter 2 tonnes sur plusieurs milliers de kilomètres. Il n'en existe pas. Et en général, il n'y a pas de dirigeable. Le premier appareil est petit. Le deuxième de 10 tonnes est déjà plus sérieux. 10 tonnes. Pourquoi avez-vous choisi cette dimension Elle est vraiment la plus attrayante et de plus d'un point de vue très commercial. La planète a vu la production de l'hélicoptère le plus produit de tous les temps. Il s'agit de notre hélicoptère russe, Mi-8. Environ 15 000 unités ont été produites dans diverses modifications. Environ, ils peuvent désoulever 4 tonnes de charge verticalement. Tout comme un dirigeable, un avion ne se soulève pas verticalement il doit prendre de l'élan il peut soulever 4 tonnes de charge les transporter sur une certaine distance. Pour un certain coût, c'est-à-dire qu'un kilomètre de trajet coûte de l'argent, ce dirigeable pourra transporter deux fois plus de charges, la transporter beaucoup plus loin et à un coût bien inférieur. Toutes ces données, sur combien il peut transporter plus loin et moins cher, vous pouvez les trouver sur le site de AO Aerostatica dans nos projets commerciaux. Faites défiler jusqu'au modèle de 10 tonnes, et il y a un tableau de comparaison qui montre qui vole sur quoi combien chacun dépense et à quel point cet appareil sera plus avantageux. Vous pouvez trouver le site d'Overstatic sur Telegram, dans notre chat, en pré-lancement, en cliquant sur les messages épinglés, et ce sera le tout premier message. L'appareil de Ditton est également mentionné ici, tout comme le premier petit yacht de Ditton. Il sera également fabriqué en plusieurs versions, cet appareil de Ditton. Touristiques, passagers, mixtes et également cargo. Le cargo sera à la fois piloté et non piloté. Ils seront tous conçus, c'est-à-dire développés. Nous produirons probablement deux cargos passagers. Mais il serait probablement souhaitable d'avoir des options touristiques pour que nous puissions, vous et moi, organiser une conférence là-bas, de manière autonome, dans trois à cinq ans, et dire Hurrah, nous avons réussi! Mais en regardant le transport de passagers et de marchandises, ce ne serait pas mal non plus. En version touristique, une gondole apparaît à nouveau. En version cargo, c'est-à-dire si nous avons ici 10 tonnes de personnes, de nourriture, d'eau, de provisions et d'autres choses, alors cette gondole n'est pas nécessaire. Ici, il y a 15 tonnes, voire plus. Dans cette version, qu'elle soit cargo, pilotée ou non pilotée, cet appareil pourra soulever... Nous devons produire 2. Petits yachts et deux modèles de 10 tonnes pour que ce soit des prototypes expérimentaux. Ils seront testés, certifiés et, par conséquent, prêts à être exploités commercialement ou même à être vendus. De plus, leur modèle permettra également de lancer la production en série. À propos du terrain, deux grands hangars pour le rassemblage en production de série une école et également la production de technologies critiques, ainsi que des clients potentiels. Voilà, c'est un peu plus loin, de plus, des aspects importants. Ici, les clients sont très concernés à la fois par la production en série, je vais l'expliquer un peu plus en détail, notamment, et par le développement d'appareils spécifiques et particulièrement innovants, parce que maintenant, il y a déjà des appels, des lettres, Bien sûr, tout cela pour l'instant. Ce n'est pas certain, mais ils disent Moi, les gaz, si vous faites voler un appareil capable de transporter 10 tonnes, il sera touristique, nous le prenons tout de suite. C'est comme waouh, génial Si vous faites voler 2 tonnes et les transporter sur 2000 km, nous le prenons aussi immédiatement. Donc, il y a des clients, et pas seulement ceux qui disent qu'ils le prennent tout de suite, mais aussi ceux qui sont prêts à ce que nous concevions et produisions des appareils spécifiques pour répondre à leurs besoins et accomplir leurs tâches. Donc, dans cette perspective de 3 à 5 ans, tous ces clients attendront déjà soit un appareil en série en précommande, soit, selon les accords, ils s'attendront à ce que nous-mêmes, par exemple, en réalisant un certain travail, c'est-à-dire qu'ils nous commanderont un service pour un appareil de 10 tonnes, que nous ferons quelque chose pour eux ou que nous développerons déjà quelque chose pour quelqu'un. Mais en ce qui concerne la perspective de 5 à 10 ans, je vais en parler un peu, nous n'avons pas l'intention de nous arrêter aux appareils de 10 tonnes et aux petits yachts. Il est clair que tout cela est fait, ils sont petits, pas aussi super futuristes qu'on le voudrait, mais en réalité, ils seront très cools et tout le monde sera agréablement surpris. Je pense que d'ici la nouvelle année, nous aurons déjà formé leur apparence technique en tenant compte du nouveau design, des matériaux correctement choisis, etc. En général, ils auront une belle apparence, mais ce n'est toujours pas ça. Ce sont les 20 tonnes, 40 tonnes, 200 tonnes et la stratosphère. Et tous ces projets seront lancés, pour ainsi dire, en parallèle. Progressivement en parallèle, successivement en parallèle, je vais expliquer... Initialement, on commence à concevoir un petit yacht, dès que tous les processus sont lancés, tout est stabilisé, on lance, avec un léger décalage dans le temps, le modèle de 10 tonnes sera également mis en service, ensuite, avec peut-être un décalage un peu plus grand, les modèles de 20 tonnes, 40 tonnes, 200 tonnes seront lancés depuis la troposphère, et ainsi de suite parallèlement. Bien sûr, d'abord un processus est organisé, il démarre, on vérifie, puis le processus suivant est mis en place, et ainsi de suite, tout cela sera développé en parallèle. Il est évident que pour le développement rapide des appareils suivants, un financement, une attention active et d'autres ressources sont également nécessaires. Pour l'instant, nous nous concentrons sur les deux premiers. Les quatre autres se déroulent en parallèle des cours facultatifs, donc sans dépenses particulières, mais nous gardons à l'esprit que nous devons également construire des hangars pour eux, c'est pourquoi nous sélectionnons immédiatement le terrain, nous comprenons bien que, grossièrement parlant, en concevant un appareil de 10 tonnes, nous allons même tester une petite embarcation. Nous allons déjà y tester une partie des technologies, des processus et autres pour les futurs grands appareils. Et ce n'est même pas la fin de la gamme, juste du point de vue de la perspective de 5 à 10 ans, il y a encore ces appareils de 20 tonnes, 40 tonnes, 200 tonnes et les stratosphériques. Je peux aussi en parler. 40 tonnes, c'est même 20, voire 10. En réalité, mes 10 ne suffisent pas. Au moins 20 tonnes permettent déjà des vols autour du globe dans des cabines confortables, spacieuses et très confortables avec des arrêts, là-bas au centre-ville, en général, c'est une chose vraiment géniale pour le tourisme et je ne voudrais pas m'arrêter là-dessus. Très probablement, des modèles de 40 tonnes seront fabriqués, juste quelques-uns, pour le tourisme. Nous prévoyons d'en faire quelques-uns pour les certifier, etc. Mais tout récemment, il y a eu un appel des pays arabes, ils étaient intéressés par ce type de dirigeable. Ils ont besoin d'un modèle de croisière d'environ 40 tonnes qui sera à deux étages avec un premier étage, un deuxième étage, un accès au toit, des balcons, etc. Ils veulent vraiment ce genre de dirigeable. Ils ont demandé quand venir nous voir et nous leur avons dit d'attendre un peu que nous allions d'abord organiser notre bureau de design, nous y installer et ensuite les inviter. Ils veulent déjà l'acheter et peut-être que deux appareils ne suffiront pas mais nous aimerions aller un peu plus loin et construire des choses plus grandes et nous occuper de la stratosphère, il est clair que tout se déroulera en parallèle. Et que la stratosphère décollera probablement encore plus tôt, peut-être même avant dix ans, si l'on estime que dans six ans, il sera déjà possible de voler dans la stratosphère avec ces grandes plateformes de dirigeables, appelons-les ainsi pour l'instant. Donc dans six ans, si le premier appareil part en certification dans trois ans ou deux ans et demi, alors l'appareil stratosphérique partira en certification dans 5 ans et demi, 6 ans. Évidemment, ce ne sera pas encore pour les personnes, mais pour la charge commerciale et autres. Mais en général, les événements vont se développer assez rapidement maintenant. Je pense que ce sera très cool et intéressant de suivre tout cela, d'y participer, et de construire des hangars et de lancer les premiers appareils. Grand shot, grand shot, grand shot quelque chose d'irréel. Ici, une compagnie d'exploitation a été ajoutée. C'est une compagnie qui sera certainement commerciale comme c'est le cas dans l'aviation. Pour le développement, en réalité, chaque rouble investi rapporte environ 10 roubles. Dans la production, pour les développements, il y a beaucoup de développeurs. Où sont-ils Dans la production, pour chaque rouble investi, il y a un retour de 100 roubles. Oh, ils ont finalement construit un avion et ils volent de manière économiquement viable. Génial, précieux. L'exploitation rapporte 1000 roubles pour chaque rouble investi. C'est clair, on a fabriqué un avion et on l'a vendu, et celui qui l'a acheté veut qu'il soit rentabilisé plusieurs fois. Évidemment, pourquoi devrait-il alors acheter En général, l'exploitation génère les principaux revenus, et donc la compagnie d'exploitation est une étape logique dans le développement du projet. Nous les construisons nous-mêmes, nous les exploitons nous-mêmes, nous en tirons profit nous-mêmes. Et bien sûr, nous les vendons. Mais sans exploitation propre, il faut d'abord acquérir de l'expérience en exploitation, divers business et autres personnes qui s'intéresseront aux dirigeables. C'est-à-dire que j'ai besoin que les gars me construisent un parc de dirigeables, qu'ils me mettent un hangar, qu'ils forment mes employés pour que tout soit exploité correctement. Évidemment, il faut les exploiter nous-mêmes, c'est pourquoi... Une compagnie d'exploitation apparaît dès que les appareils de série commencent à être produits. Et bien sûr, bien sûr, les clients s'élargissent. Ici, les flèches montrent l'argent. Ce sont des clients, comme je l'ai déjà dit, pour le développement d'appareils spécifiques. Et de tels clients existent, en effet, comme Roscosmos. Je le dis, en fait, il y en a beaucoup. C'est juste que Roscosmos est d'une certaine manière. Plus compréhensible même pour nous, parce qu'il y a déjà des spécifications techniques de Roscosmos élaborées conjointement avec nous qui disent Les gars, il y a une tâche de prendre les blocs de fusée, les lanceurs, et de les transporter de l'usine de fabrication au cosmodrome. Mais maintenant, la logistique est incroyablement complexe, longue et coûteuse, alors que ce serait rapide et génial, et ils commanderont un appareil spécial, c'est-à-dire un tableau spécial. Ce n'est pas que quelqu'un commande un avion spécial. Avec des sièges en dents, mais plutôt pour accomplir une tâche spécifique. Et pour accomplir de telles tâches spécifiques, il y en a vraiment beaucoup. En commençant par des tâches médicales, pour ainsi dire, une clinique volante. Actuellement, ils fabriquent beaucoup de trains médicaux, d'hélicoptères médicaux et de bus médicaux. La polyclinique arrive entièrement dans la région et, s'il vous plaît, il y a beaucoup de tâches spéciales en général sans compter l'espace et ainsi de suite. Ce sont des clients pour le développement et aussi des clients pour les appareils déjà produits en série pour leurs propres besoins. Tout cela sera... Voici la feuille de route du projet. Elle couvre grosso modo les 3 à 5 prochaines années. Vous pouvez faire une capture d'écran et l'étudier en détail. Mais comme je l'ai expliqué, d'abord commence le développement d'un appareil. Puis, une fois ces processus stabilisés, commence en parallèle avec un léger décalage le développement du deuxième appareil. Là commence la modélisation. D'abord, la modélisation. Dès l'année prochaine, des maquettes de ces gondoles seront créées dans lesquelles on pourra venir se promener et regarder. C'est une partie obligatoire dans l'aviation, dans l'industrie automobile. On sculpte la voiture en argile ici. Ce sera exactement la même chose. Ensuite, il crée un concept de salon juste pour s'y asseoir. Ici, ce sera la même chose. D'abord pour un appareil, puis pour le deuxième, avec un léger décalage. Pendant ce temps, nous construisons des hangars. D'abord pour le premier appareil. Et ces hangars doivent encore être conçus. Il y a un cahier des charges. Il y a un cahier des charges. De notre côté, quel type de hangar doit être construit Il existe un institut sectoriel qui s'occupe de la conception de ce type de structure et ils participent à la conception de ces aérodromes comme Chéré et d'autres garages pour avions. Bien entendu, tout cela nécessite une licence spéciale pour la conception de telles choses. En gros, nous fournissons le cahier des charges ils fournissent le projet et nous nous occupons de la construction. Pendant que les appareils sont modélisés et développés, la documentation pour le hangar est également préparée. Ensuite, après que tout cela ait été maquetté, la documentation pour le hangar est déjà partie en construction, commence à se construire. Pour le premier dirigeable, on commence à produire des nœuds et des agrégats, y compris divers systèmes de carburant, transmission, gouverne, panneaux d'instruments, une multitude de choses, l'avionique, et tout cela sera produit sur Terre, testé d'abord séparément, puis assemblé progressivement, testé et retesté. Et pendant que tout cela se fait, le hangar doit déjà être achevé, et toutes les unités testées doivent venir ici et commencer à être assemblées dans un grand appareil. Parallèlement à cela, nous avons déjà administrativement organisé l'école. Rédiger les méthodologies et maintenant, avec le premier appareil, nous pouvons commencer. Son assemblage, il sera clair, les instruments installés, comment ils seront contrôlés. Toutes les méthodologies sont terminées. Ici, on peut lancer la formation des pilotes en même temps que l'exploitation expérimentée, c'est normal. Et quand l'appareil a commencé à être assemblé ici, la construction s'est terminée et immédiatement la construction du second a commencé. Cela signifie que si cela se construit ici, alors là-bas, le deuxième appareil est déjà entièrement maquetté et il commence déjà. La production des angles et des unités réelles ainsi que leurs essais au sol. Celui-ci est en cours de finition ici, celui-là s'élève dans les airs, part pour la certification. Ici commence l'assemblage, ici les gens commencent à se former. Eh bien, naturellement, parallèlement à tout cela, L'appareil ne sera pas construit tant que notre production de technologie critique ne sera pas également opérationnelle. Il fonctionnera jusqu'à la première construction de ce petit hangar. Je peux d'ailleurs en fait vous en dire un peu plus sur ce premier hangar. Il sera avancé jusqu'à présent tous les dirigeables accostés, soit à des mâts fixés là dans le champ ou que ce soit. Il s'approche, s'amarrage, et il y a le chargement, le déchargement ou autre chose ou c'était une machine un mât mobile où il s'attachait nos appareils seront les premiers à partir du premier bien sûr il y aura des dispositifs d'amarrage pour les mâts et autres mais nous ferons principalement tout l'amarrage sur une plateforme spéciale il se posera comme une flèche s'accrochant avec ses pattes dans cette position flottant dans l'air. De cette manière, il prendra même moins de place, car lorsque l'appareil flotte autour de son axe, il occupe toute sa longueur en créant un rayon. Lorsqu'il flotte dans cette position, il prend beaucoup moins de place, et cela est nécessaire pour atterrir sur le toit au centre de la ville. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de mât. Comme vous l'avez vu, des plateformes spécialement équipées pour les hélicoptères se trouvent sur les toits des bâtiments. De la même manière, une plateforme d'essai sera créée pour les dirigeables dans le premier hangar et cette plateforme sera déjà en place. Les petits appareils produits dans ce même hangar pourront y atterrir, ainsi que les appareils du hangar voisin qui seront beaucoup plus grands. Cependant, il s'agira d'une plateforme standard pour tous les appareils et ils pourront y atterrir. Voilà, je vais aussi basculer ça, vous pouvez faire une capture d'écran pour lire. Tout se termine par le fait que cet appareil est sorti, deux unités ont été certifiées, celui-ci est sorti, a été certifié, celui-ci a commencé à être produit en série sur précommande, celui-ci aussi, et voilà, la feuille de route du projet est terminée pour ces 100 millions de dollars. Et voilà, c'est cette unité commerciale insubmersible commence à générer des bénéfices et à se développer. Bien sûr, pour un rythme de développement plus actif, pour 20, 40, 200 tonnes de stratosphère, etc., on peut réinvestir tous les bénéfices de cette cellule pour accélérer le rythme. Ce sera probablement partiellement le cas si vous le permettez, mais il est fort probable que des investissements supplémentaires seront nécessaires. Nous ne disons pas et ne pensons pas que le financement participatif s'arrêtera à 100 millions. Non, à l'avenir, ce seront simplement des projets commerciaux distincts. Tout est clair. Tous ceux qui sont entrés dans la société mère, tous les bénéfices sont dans la société mère, tout est clair. Eh bien, ensuite, la société mère continue, elle fonctionne déjà, et ensuite, un projet commercial apparaît le développement d'un dirigeable de 40 tonnes, la construction d'un hangar pour celui-ci, l'heure, production en série et ainsi de suite. Ce projet coûte tant et rapportera tant de bénéfices. La société mère a commencé là-bas en accord avec les investisseurs. Par exemple, une partie des bénéfices est envoyée à ce projet commercial. Les investisseurs participatifs entrent séparément dans ce projet commercial. Un grand investisseur arrive et couvre la moitié de ce projet commercial. Cela se passera probablement ainsi et tous les projets commerciaux suivants seront construits de cette manière. Ce projet commercial a sa propre rentabilité. Une partie de la rentabilité ira à la société mère et une partie ira à ses propres investisseurs qui sont entrés uniquement dans ce projet et pas dans d'autres. Ils prendront tous les calculs d'ici. Nous ferons en sorte que, naturellement, le principal avantage revienne à la société mère censée... Comment ça s'appelle déjà eh bien, en gros, vous avez compris, moi je n'ai pas compris, sans mensonge. Il n'y aura pas de manipulation, il ne se passera pas que la société mère ouvre un projet commercial parallèle. Pour un grand investisseur, excluant ainsi le public et détournant les bénéfices, nous ne sommes pas du tout intéressés par cela. Les grands investisseurs ne voulaient pas lancer un tel projet eux-mêmes, nous l'avons lancé avec vous. Pourquoi donc Devons-nous leur accorder des privilèges dans ce format Ici, la diapositive doit être un peu plus grande naturellement. L'équipe réalisant le projet, ce n'est pas seulement une équipe qui réalise le projet, ce sont plusieurs équipes. Il y a AO Aérostatique, il y a NAMI, il y a MA, il y a la gestion de cette ONOVA, ce sont des acteurs clés. Nous dévoilerons cette partie une fois que tout sera approuvé, signé et montré, car les mouvements commencent à se faire sentir en termes de part. Je peux parler d'un mouvement en particulier. Dans notre bureau de design, il ne s'agissait pas vraiment d'une revendication directe, mais on leur a proposé de prendre une certaine part. Ils ont dit ⁇ Les gars, nous allons faire l'aura avec vous, le premier petit yacht, et peut-être que nos moteurs, système de carburant, etc. ⁇ seront également présents dans les futurs appareils. Nous sommes intéressés à être cofondateurs de cette compagnie pour un petit pourcentage. Et nous avons répondu, en gros, c'est super, génial, les gars, allons-y, nous sommes pour. Et donc, quand les mouvements ont commencé sur le terrain, précisément les partenariats, quand nous avons trouvé un groupe de personnes prêtes à entrer en partenariat avec nous, et nous avec eux, ils nous fournissent des terrains, des ressources administratives et d'autres développements et opportunités, y compris pour l'école de pilotes. Nous sommes un peu dans une impasse. Partage, s'il te plaît, un pourcentage avec ces gens, c'est très nécessaire. Et ils disent oui, pas de problème. En gros, donc maintenant cette étape va se stabiliser et nous allons tout divulguer, le groupe Solaire. Voilà 49% à l'investisseur collectif de cette compagnie. Tomber est un mauvais mot. Nous prenons 49% de cette compagnie, tout comme dans le projet actuel de répartition des bénéfices. Ici, il est peu probable que les bénéfices soient répartis de cette manière. Nous prenons simplement la fondation maintenant pour que ce soit tranquille pour nous, important, etc. Naturellement, nous voulons que la majorité des bénéfices aille aux investisseurs, sinon, quelle est cette compagnie qui est avec des investisseurs sans bénéfice Quelque chose ne va pas. Donc, ce slide devait être présenté par Pavel Filipov. 1 milliard d'actions, 500 millions d'actions pour les investisseurs, 50 milliards de parts. Il obtient ses 49% si dans le projet précédent, Enfin dans l'actuel, Précédent, actuel, clarifions cela. En général, avec Walmash, nos parts s'accumulèrent de manière spontanée, pour ainsi dire, et nous ne pouvions comprendre combien il y en aurait qu'en terminant le financement. Ici, nous avons décidé de définir ces parts immédiatement, et voici le calcul 50 milliards de parts qui se transformeront ensuite en 500 millions d'actions. En termes de coûts, si la capitalisation de cette entreprise est d'un milliard de dollars dans le scénario le plus pessimiste, vous pouvez calculer combien une action rapportera et combien de parts vous devriez acheter. Mais concernant la remise, étant donné que nous sommes actuellement à l'étape zéro, c'est évidemment la remise la plus agréable. Et dès que nous passerons à la première étape, lorsque le bureau de design sera en place, toute la structure juridique sera établie et le travail commencera de manière ordonnée. L'étape 0 se termine et ensuite, tout le monde verra comment les remises seront réparties. Donc, c'est le moment le plus intéressant pour entrer. Mais en général, le secteur va se développer énormément et il sera très intéressant d'y entrer à toutes les étapes. Cependant, comme cela a été décidé dans le projet solaire, à l'étape 0, avec des risques énormes, il faut accorder des préférences et des avantages. Si on peut dire ainsi. Ensuite, il y a un tableau. Le lien est dans ce chat. Vous pouvez le consulter et le mettre à jour chaque jour pour voir combien d'argent arrive. Si on compare avec. Oui, le lien est dans le chat Telegram. Cherchez-le. Si vous ne le trouvez pas dans le chat Telegram, je le trouverai moi-même. Je vais sur V Contact. Groupe de la génération des dirigeables. Et il y a quelques postes en arrière. Il y a un poste sur le lancement du projet. Et ce lien y est, vous l'ouvrez et vous voyez tous les chiffres du projet actuel. Le lancement a déjà recueilli plus de 3 millions de dollars en engagement avec environ 300 000 dollars de paiements effectifs. Si l'on compare avec le lancement des projets précédents, la dynamique est très bonne. Mais si l'on prend en compte nos positions actuelles à partir desquelles nous avons démarré, plus le nombre de personnes qui suivent les dirigeables et souhaitent qu'ils se réalisent. La situation est effectivement très prometteuse. Il est très probable que le rythme va maintenant augmenter et doit croître, car il est tout à fait possible de faire voler de tels appareils sérieux et de construire des hangars dans les délais que nous prévoyons. Bien sûr, un financement actif est nécessaire et je pense que c'est à notre portée et à la portée de tous. Les dirigeables sont un sujet très intéressant. Je le répète encore, regardez des vidéos sur YouTube, lisez les commentaires. Beaucoup de gens veulent soutenir cette initiative et il est en votre pouvoir de faire en sorte qu'ils sachent simplement ce qui se passe actuellement, qu'ils ont la possibilité d'aider cette cause. En investissant, non pas en donnant de l'argent, mais en investissant pour obtenir des bénéfices futurs, une implication, les premiers vols et des conférences sur les dirigeables. Le sujet est fou, plongez-y vous-même, donnez aux autres la possibilité de le découvrir, et alors nous aurons de l'argent pour le réaliser. Tout le puzzle est assemblé, il ne reste plus qu'à financer le tout. Ajoutez quelques petits détails. En ce qui concerne le plan marketing, il y a un plan marketing général. Si cela vous intéresse vraiment, vous pouvez à nouveau aller sur Vcontact ou sur Telegram, en général, trouver ce poste dans nos groupes et lire le plan marketing. Cela concerne le fait que, si vous avez une certaine structure de partenaires et d'investisseurs dans nos projets précédents et actuels, pour l'activer dans ce projet, ils sont tous transférés automatiquement. Mais pour l'activer, il est nécessaire de réaliser un certain nombre d'actions spécifiques. Si dans votre projet précédent vous n'aviez pas de structure et que dans le projet actuel vous construisez une nouvelle structure, vous n'avez pas besoin de réaliser de plan marketing. En général, entrez si vous en avez besoin, étudiez, mais je pense que si vous en avez besoin, cela signifie que vous nous connaissez déjà et que vous avez probablement déjà lu tous ces plans marketing, voire même les avez réalisés. C'est à propos des positions de départ, lorsque le premier projet a été lancé alors qu'il n'y avait encore aucun suiveur. Le deuxième projet comptait également environ 6000 participants actifs, environ, actuellement, il y a 500 000 personnes chez Solar Group, des personnes régulières qui suivent le développement de Solar Group, et à partir de ces positions. Il est beaucoup plus facile de démarrer, c'est pourquoi nous avons pris une tâche difficile, et ce n'est pas qu'il soit plus facile de se détendre, au contraire, la tâche est grandiose et tout le monde doit faire de son mieux. Si vous êtes dans le projet actuel et que vous faites partie des 500 000 personnes qui nous suivent depuis longtemps, veuillez nous aider à nous assurer que nous connaissons ces chiffres, car beaucoup de gens, même parmi ceux du projet actuel, ne savent pas que le suivant a été lancé. Si vous avez des connaissances, appelez-les, écrivez-leur, dites-leur, écoute. Il y a une nouvelle intéressante, tu es au courant ou pas, et dont le projet a démarré. Comment investir dans le projet Pour l'instant, tout fonctionne dans le même espace personnel où le projet actuel se développe. Vous pouvez y accéder via le code QR. Si vous n'y êtes jamais allé, il y a un onglet séparé pour les dirigeables. Allez dans dirigeables et toute la mécanique est la même qu'avant. Alors continuons, il semble que tout soit là. Je lirai bien entendu vos questions si vous en avez. et j'y répondrai. Sur fond blanc, il n'est pas très confortable de lire les questions, rien n'est diffusé sur YouTube, mais il fallait passer à v contact Dites-moi, dans le projet dirigeable, y aura-t-il le Club 100 et le Club 1000, et y aura-t-il des bonus agréables Je pense que quelqu'un sera certainement le premier à faire un tour en dirigeable. En ce qui concerne les clubs, il y a aussi Sergei Tchevchenko. Demandez-lui directement, je suis sûr qu'il y aura une rencontre intéressante. Avec le club, ce sera peut-être une expansion, cela a été discuté. En général, nous avons eu une session stratégique de Solar Group, où les clubs ont été discutés et certaines actions ont été planifiées pour ces clubs. Il vaut mieux lui demander, pour que je ne dise pas quelque chose d'inexact, ne pourrait-on pas utiliser l'hélium comme gaz porteur et le décharger comme cargaison pour revenir en utilisant l'hydrogène, qui est moins cher En général, c'est possible. Il existe des projets élaborés pour le transport de l'hélium vers les pays d'Asie. En Russie, nous augmentons actuellement la production d'hélium à un rythme rapide et il est très probable que nous occuperons ce marché de manière significative dans un avenir proche. La question est logistique et nous avons une proposition de notre côté qui est en cours d'examen par les fabricants de transport pour tout transporter avec des dirigeables. Comme je l'ai dit, la stratosphère apportera beaucoup d'argent et ses dirigeables aussi. Nous vous donnerons plus tard les indicateurs économiques, les plans d'affaires, etc. Dans un mois ou un mois et demi, nous aurons des chiffres précis. Actuellement, ils existent, mais ils doivent être ajustés et actualisés. Pour le transport de l'hélium, il y a un certain nombre d'appareils avec une capacité de charge spécifique nécessaire pour le transport de l'hélium, et les profits sont fous, rivalisant avec Gazprom. Nous transporterons cet hélium dans des récipients de war. Tout cela aura bien sûr l'air très intéressant. Ce sera incroyablement rentable et une explosion économique en général. Parce que non seulement l'hélium coûte déjà quelque chose, mais le transporter quelque part a aussi un coût, et nous économisons. En général, nos producteurs sont intéressés par cela. C'est aussi l'une des tâches qui sera résolue. On n'a pas encore très envie d'en parler pour le moment. Mais vous savez, l'économie est en cours de calcul. En fait, nous montrerons bientôt tous les chiffres, mais pour dégonfler le dirigeable, puis le remplir d'hydrogène, et repartir, cela n'arrivera pas. Il continuera à voler là-bas avec un mélange d'hélium et d'hydrogène. Il peut être en version sans pilote et à l'hydrogène, mais l'hydrogène reste toujours inflammable, en effet. Oui, il n'est pas explosif. L'hydrogène en grande quantité brûle aussi, il n'explose pas, et nous ne voudrions pas l'utiliser sans prouver sa sécurité. Au moins dans un état flegmatisé, c'est-à-dire lorsque l'hydrogène avec certains additifs est constamment mélangé et ne brûle pas. Initialement, tout volera à l'hélium. Mais à l'avenir, il est fort probable qu'une partie de l'hydrogène finisse par entrer dans l'état. Mais il ne va pas se dégonfler de son hélium. Il va quand même prendre des récipients d'EWAR et les transporter. C'est possible et c'est prévu. Fyodor, Êtes-vous concentré exclusivement sur le projet de transport ou il y a une tâche scientifique Nous avons essayé de la réaliser avec des collègues. Je regarde sur ce V Contact, mais pour une raison quelconque, il ne m'ouvre pas complètement ce message. La dernière fois, j'ai regardé les commentaires et ces messages n'y étaient pas. Et ici, ils ont aussi disparu. En général, V Contact, veuillez améliorer cette fonctionnalité. Nous ne nous concentrons pas seulement sur les projets de transport, mais aussi sur d'autres. Ivan Sobolev, si tu es toujours là, écris s'il te plaît directement dans les commentaires sous la vidéo, pour que je voie ce commentaire sur le mur quand je sortirai d'ici. Je le lirai et je répondrai certainement. Alors dans 5 ans, peut-on espérer un X100 en termes d'argent, ou au maximum possible à X10 Dans environ 5 ans, je pense qu'on peut peut-être espérer atteindre approximativement X100. Si ce n'est plus, vous comprenez Il y a une question concernant la capitalisation. Sur quel marché allons-nous faire cette capitalisation X à 100 En quoi cela consistera-t-il Vous avez investi ici et vous obtenez là-bas des dividendes. Des dividendes X à 100, peut-être dans 5 ans, un peu, mais directement des dividendes. Ou bien... Vous avez investi, puis vous êtes sorti avec des actions. Pour cela, nous choisirons bien sûr une bourse, nous y effectuerons toutes ces procédures, nous introduirons l'entreprise, et là, les actions augmenteront. Là-bas, les actions vont littéralement s'envoler, car toute entreprise qui ferme actuellement cette niche de transport logistique, logistique précisément avec des dirigeables, plus ses développements dans la stratosphère et le transport de charges de 2 tonnes à la stratosphère. L'action de cette entreprise vaudra des sommes astronomiques. Il pourrait même y avoir un multiplicateur de 10 000. La question est de savoir quand nous allons procéder à cette étape. Très probablement, d'abord, la société mère sera formée comme base. Elle commencera à générer des revenus. Et ce n'est qu'après cela que la société rentable entrera sur le marché des actions pour devenir désirable, pour ainsi dire. Et alors les actions s'envoleront. Nous en prendrons une partie et vous les distribuerons naturellement, et vos actions deviendront astronomiques. Là, il ne s'agit même plus de X100, mais de quelque chose de plus grand. Si vous avez des projets intéressants et prometteurs, vous pouvez... Ah, je comprends, d'accord. Comment le dirigeable sera-t-il protégé contre un drone avec des explosifs Il est clairement important de prendre en compte ces risques, surtout lors du transport de personnes. Oui. Je vais vous parler un peu des drones. En général, il y a beaucoup de projets de drones qui viennent nous voir pour un financement, et ils sont financés par des institutions classiques. Tout le monde voit à quelle vitesse ils se développent, tant les militaires que les civils non militaires pouvaient déjà le voir sur Internet. En Chine, les spécialistes du bâtiment transportent du ciment et le soulèvent directement sur le chantier par sac. Et en montagne, des drones leur apportent quelque chose. Les personnes riches équipent déjà leurs manoirs et leurs voitures de drones, comme ceci, qui assurent la sécurité anti-drone, c'est-à-dire qu'ils décollent, scannent quelque chose, se posent à nouveau, détruisent quelque chose en approche, et tout cela ne fera que se développer à pas de géant. Nous avons une entreprise, avec laquelle nous sommes en contact étroit, elle est en Russie. Ils occupent probablement la position de leader en matière de drones, ils sont à moitié militaires, à moitié privés. Ils veulent vraiment être privés, mais la situation est telle qu'ils sont obligés, naturellement, de traiter également des sujets militaires, et l'une de leurs directions les plus fortes est précisément la défense. Protection contre les drones, kamikazes, contre toutes ces choses. Évidemment, je veux dire non seulement que oui, notre dirigeable sera protégé, dans un avenir proche, tout équipement coûteux et de grande taille, les biens immobiliers et autres seront protégés contre ces drones, et ces systèmes seront déployés partout et de manière généralisée. Naturellement sur le dirigeable, car il est grand, beau et nous y tenons. Nous allons installer tous ces systèmes. Alors, s'il y a une fuite ou un dommage au cylindre, à quel point pourra-t-il descendre en douceur Il y a plusieurs histoires basées sur des expériences réelles. Une fois, l'hélice s'est déchirée. Nos ingénieurs, lors des essais du dirigeable, ont vu l'hélice se déchirer. L'hélice était dans l'anneau, et l'anneau a été brisé. Une partie de l'anneau n'a pas été percée de part en part, mais a perforé l'enveloppe et le sac à gaz. Ils ne l'ont remarqué que le deuxième jour. Ils ont vu qu'il y avait un problème avec l'hélice. Ils ont changé l'hélice en cours de route, sont arrivés au hangar, se sont garés dans le hangar, et ce n'est que le lendemain qu'ils ont compris. Qu'il y avait un problème avec le dirigeable, une seule perforation n'a eu aucun impact sur ses caractéristiques de vol. Même les rafales de mitrailleuses n'arrêtaient pas toujours les dirigeables. Ils étaient utilisés pour la guerre auparavant. Un seul trou pouvait passer inaperçu pendant des mois. Si un grand dirigeable assez lourd est traversé par une balle de pistolet, les fuites seront minimes. En une semaine, on pourrait à peine remarquer quelque chose. Il n'est pas sous pression, donc il ne se dégonfle pas comme un ballon. La pression est similaire à celle de l'atmosphère, et l'échange de gaz est lent. En pratique, cela montre qu'il ne descendra même pas rapidement. Il continue de fonctionner et remplit sa mission, et ce n'est qu'après coup que les instruments montrent ce qui s'est passé. Bien sûr, une rafale de mitrailleuse de gros calibre le ferait tomber rapidement, mais il n'y aurait probablement pas de panique à bord. Les hélices compenseraient à cela. Mais encore une fois, cela concerne des cas extrêmement graves où quelqu'un déciderait de tirer avec un gros calibre. Nous parlons d'un dirigeable pacifique pour une utilisation pacifique. Si on tire sur un avion, un hélicoptère, une voiture, ou même une maison avec un gros calibre, tout en souffrirait, y compris le dirigeable. Mais il ne tomberait pas. Sergei Semenov a donné cette analogie, et je la répète. Si un avion ou un hélicoptère tombe en panne, l'hélicoptère tombe comme une pierre, l'avion peut planer quelque part en perdant de la vitesse. Si quelque chose arrive à un dirigeable, comme une perforation, c'est comme un bateau, ou plutôt une grande yacht. Si elle est percée sur le côté, les compartiments se ferment, même si elle est remplie d'eau, elle reste à flot. C'est la même chose avec un dirigeable. Si un ou deux compartiments sont percés, ils continuent de fonctionner. Si trois ou quatre sont gravement endommagés, il commence à descendre lentement, mais pas comme un hélicoptère ou un avion à grande vitesse. Il descend doucement. Il est clair qu'il faut prendre en compte tous les risques. Mais c'est une perspective commerciale prometteuse. Il est peu probable que puisse briser la destinée de quelqu'un. Le dirigeable est reconnu comme le moyen de transport aérien le plus sûr partout. Le dernier conseil scientifique et technique militaire a dit ⁇ Eh bien, celui que nous avions, que parmi toutes les aviations, s'il vous plaît, faites-nous des dirigeables, ils sont les plus sûrs de 30 à 300 tonnes. Il y a des tâches permanentes pour les militaires, c'est-à-dire des tâches régulières pour ces machines, et là, il est clairement souligné que c'est le moyen de transport aérien le plus sûr, donc ne vous inquiétez pas pour la sécurité. Je vais maintenant regarder s'il y a d'autres questions. Je vais jeter un œil sur YouTube quelque part. Pour l'instant, j'ai juste lu un peu sur Vcontact. Il est préférable de poser les principales questions techniques le vendredi car c'est à ce moment-là que nous invitons un spécialiste technique à tour de rôle. La dernière fois, c'était Alexandre Nikolaevitch. Avant cela, c'était Dimitri Sergeïevitch Kmel. Ce vendredi, il y aura un nouvel invité. Vous ferez connaissance. Il vaut mieux poser les questions techniques là-bas. Mais quand je dis des questions techniques, ils se demandent immédiatement quelles questions techniques. Ils imaginent tout de suite tout. Et nous leur posons la question, que se passerait-il si on tirait sur le dirigeable Et là, ils disent, ah, une question technique, j'ai compris. Bien que nous ayons récemment discuté du sablage, je pense que nous avons assez bien approfondi la question en détail et en profondeur. Comme le dit Kirillen, il ne voudrait même pas aborder la question en profondeur, car ce sont des indices pour nos concurrents. Mais, à part le fait que nous avons des concurrents, nous n'avons que des collègues, et si nous lançons des dirigeables dans le monde entier, ce sera génial. Mais l'intérêt commercial, c'est commercial, naturellement. Après tout, pour les investisseurs, le profit est important en plus de toute cette romance. Donc, bouche cousue, les technologies critiques pour soi. Protection juridique contre les grands capitaux. YouTube. Il ne veut absolument pas se charger Alors, j'ai déjà partiellement abordé cette question. Comment sera structurée l'entreprise Et comment les bénéfices seront-ils répartis entre les investisseurs Plus de la moitié des bénéfices de toute l'entreprise sera destinée à la répartition entre les investisseurs. C'est notre position idéologique, notre conviction profonde, que nous défendrons avec détermination lors de toutes ces assemblées d'actionnaires. Et comme nous avons une grande part, tout cela aura du poids, en général notre position. Et à l'intérieur, les investisseurs verront leurs bénéfices répartis proportionnellement à leur part, c'est-à-dire que le nombre d'actions que vous possédez détermine naturellement votre part, et donc vos bénéfices. Quand vous prévoyez de passer à la première étape, j'ai aussi dit, quand le travail se stabilisera, quand le bureau d'études fonctionnera, la structure juridique sera en place, les instituts sectoriels recevront des commandes et tout. Autrement dit, le travail a sérieusement commencé et cela signifiera que la phase zéro est terminée. Il y a un modèle, il vole, où est la vidéo En général, l'approche est la suivante. Il y a des modèles, certains sont petits, d'autres un peu plus grands, et ils volent, certains atteignent même la stratosphère. Mais, ce collectif d'ingénieurs dit qu'ils se sont réunis pour faire quelque chose de plus sérieux et grandiose. Et ne nous confondez pas, s'il vous plaît, avec ces petites choses qui existent déjà vraiment partout sur Internet. Aujourd'hui, quelqu'un a partagé dans le chat que la compagnie russe a montré le premier dirigeable, sans pilote. C'est un jouet de 6 mètres. Nous avons aussi de tels jouets, mais ce n'est en aucun cas un dirigeable. C'est un jouet du vent. Le vent simplement. Mais qu'est-ce que c'est que ce dirigeable sans pilote Nous avons plusieurs variantes de ces modèles volants, tant en termes de conception que de capacité de charge. Nous allons les démontrer, et les montrer, mais ce collectif de nos membres, qui ne sont pas seulement des collègues, ni simplement des ingénieurs, mais aussi des conservateurs, des concepteurs-conservateurs, et même des gars costauds, disent, pourquoi devrions-nous montrer ces jouets nous prévoyons de construire des appareils énormes et complexes pour des tâches sérieuses et importantes. Ne nous mélangeons pas avec ça. Ces jouets, bien que fascinants, ne correspondent pas à notre vision de créer des solutions robustes et innovantes pour des défis techniques majeurs. Nous leur expliquons que tout le monde se demande où sont les premiers modèles volants, montrer au moins quelque chose qui vole. Ils disent Bon sang, eh bien, si c'est nécessaire, bien sûr, on n'en a vraiment pas envie, mais voilà. D'ailleurs, ben voici une vidéo de Kirzach. Tous les monteurs y font apparemment un chef-d'œuvre qu'ils avaient promis pour mercredi dernier, puis samedi, puis dimanche, et maintenant aujourd'hui. Regardez. Ils y racontent comment ils ont volé. Donc, il y a des modèles volants. Prenez quelques instants pour apprécier. Un dirigeable en état gonflé, qui est en parfait état, se trouve actuellement à Kirzach, et de plus, un autre à Astrakhan dans le hangar. On peut naturellement le gonfler un peu. Le temps a naturellement travaillé sur lui et il s'élèvera dans le ciel et volera quelques instants ou quelques moments. Mais c'est ce qui se faisait avant et pourquoi faire tout cela Il faut faire des choses modernes, au moins en termes de design et de technologie. Pourquoi ressusciter l'ancien Il existe des modèles plus grands et volants, pouvant accueillir jusqu'à 19 personnes mais nous allons y consacrer du temps, des moyens et des efforts. Pourquoi le réanimer alors qu'on peut en créer un nouveau et magnifique Il n'y a pas seulement de petits modèles de dirigeables, enfin petits, une capacité de charge de 40 kg, ce n'est quand même pas petit. Ce qui a été partagé aujourd'hui, ce n'est pas un lien mais une nouvelle, c'est que la Russie a fabriqué un drone sans pilote de 40 kg. Ici, il y a au moins 40 kg. Et il y a aussi des sondes stratosphériques. Bien sûr, il y a des jouets stratosphériques que beaucoup de gens lancent. On achète un ballon météorologique en latex, on le gonfle à l'hélium, on y attache un petit équipement avec un parachute. Tout cela monte dans la stratosphère jusqu'à une certaine hauteur. La différence de pression fait éclater le ballon en latex et cette chose redescend en parachute. Pendant qu'elle montait, elle effectuait un travail spécifique soit surveiller la météo soit quelqu'un lançait des campagnes publicitaires comme voici ma caméra vidéo, voici ma marque, je suis monté dans la stratosphère, je suis redescendu de la stratosphère, et tout cela est publié. C'est vraiment très très répandu et ce sont vraiment des jouets avec lesquels on n'a absolument pas du tout envie de s'engager, franchement. Voici notre équipe d'ingénieurs. Ils ont aussi pour hobby de lancer des appareils dans la stratosphère. Mais pas des appareils jetables, plutôt des appareils plus sérieux et contrôlables. C'est-à-dire que si c'est juste un ballon en latex qui explose après 4 heures de montée, ici par exemple les appareils sont déjà fabriqués avec d'autres matériaux, ce sont des appareils avec de l'automatisation, ce sont des appareils à hauteur variable, c'est-à-dire qu'il peut rester suspendu quelque part en hauteur sans monter. Il peut se poser, il peut choisir sa direction en fonction du vent, il peut rester en l'air pendant des jours, des semaines, des mois, accomplir des tâches comme stationner au-dessus d'une zone spécifique ou par exemple faire le tour de la planète, c'est-à-dire que nous avons aussi de tels petits appareils maintenant, et nous pouvons et allons les lancer, mais encore une fois, ce ne sont pas des projets d'une envergure aussi sérieuse. Que ces appareils, ces dirigeables stratosphériques, car c'est quelque chose que le monde n'a jamais vu auparavant, et ce collectif de conservateurs dit, pourquoi avez-vous besoin de ces ballons Genre, oui, nous les avons, vous voulez les lancer. Nous n'en avons pas envie, mais que pouvons-nous vous dire Si vous avez regardé l'épisode avec Kirill, Kirill a répondu de manière peu élégante lors du dernier webinaire vendredi en direct. Il a répondu différemment. Ici, je ne sais pas si c'était un acteur qui jouait, mais il a dit qu'il ne fallait pas les lancer du tout. En général, pour répondre à de telles questions, si le modèle vole, Et où est la vidéo nous allons certainement tout lancer et montrer qu'il y a déjà beaucoup de choses qui volent. Mais la stratosphère sur un dirigeable, cela n'a jamais été fait. D'où vient ce modèle Et où sera la vidéo Le dirigeable sera-t-il soulevé par des hélices ou d'une autre manière Le dirigeable aura une flottabilité proche de zéro partout. C'est-à-dire que lorsqu'il flotte de lui-même, c'est une situation. Quand il a une flottabilité nulle, tu le tiens ici, il ne pousse pas et ne flotte pas. Tu le soulèves ici, il ne tombe pas et ne flotte pas. Il y a une flottabilité négative quand il pèse quand même un peu. Tu le lances vers le haut, il coule lentement. Tu le lances vers le haut, il coule lentement. Les premiers dirigeables auront une flottabilité négative, c'est-à-dire qu'ils couleront lentement. Ils se soulèvent légèrement avec des hélices. Mais pour éviter qu'il ne s'envole dans l'espace, il descendra très doucement et prudemment et lentement. Mais il ne descendra pas doucement, car il sera certainement équipé d'un très grand moteur de marche qui créera une force propulsive pour un déplacement rapide. Et il y aura de petits groupes de travailleurs électriques de stabilisation où un panneau solaire les alimentera complètement et de manière autonome, en fait, et pour qu'il ne coule pas. Il se maintient à flot grâce à des moteurs électriques. Cette installation lui donne une vitesse propulsive et tous les dirigeables de cette forme cigaroïde ne volent pas strictement parallèlement au sol. Ils volent légèrement sous un petit angle. Je vais montrer comme ça, mais pas comme ça, bien sûr, sous un angle à peine perceptible. Ils volent en avant et grâce à la grande surface exposée au vent, une force aérodynamique supplémentaire s'ajoute. Et il se trouve qu'il ne s'agit pas d'une flottabilité négative qui les fait couler, mais ils se soulèvent un peu eux-mêmes vers le haut, c'est-à-dire que l'aérodynamique fonctionne, et il y a beaucoup de nuances sur la façon dont cette chose se soulève, comment elle transporte la charge, et même pour chaque tâche, ils choisissent des combinaisons différentes, et les vis d'Archimède, et les vis aérodynamiques, et les vis dynamiques, et les ballasts, et sans ballast. Jusqu'au sarcotonique, tout sera sans ballast. Absolument. Et chaque appareil résout une tâche différente de manière totalement différente. On peut aussi obtenir une flottabilité positive, il remontera à la surface si nous en avons besoin pour quelque chose. Oui, il y aura des hélices pivotantes pour assurer son élévation, puis la vitesse de propulsion en cas de flottabilité négative. Sur différents appareils, en général, pour différentes tâches, tout est différent. Mais si on parle des premiers, ils seront soulevés par des hélices. Oui, ils seront soulevés par des hélices. Comme je l'ai dit, il sera soulevé par des hélices, simplement pour qu'il reste ici. Il voudra peut-être couler, mais les moteurs électriques alimentés par des panneaux solaires ne le laisseront pas couler. Et s'il est vraiment très chargé, même dans ce cas, ils le soutiendront, car cette flottabilité négative proche de zéro sera ajustée en fonction de la charge. S'il y a une charge, avec cette charge, il aura une flottabilité tel qu'il voudra légèrement descendre, mais, encore une fois, l'énergie solaire l'en empêchera et il sera stable sans consommation de carburant, simplement grâce au soleil. Si c'est quelque chose de vraiment très lourd et qu'il faut le transporter quelque part, alors, s'il vous plaît, on monte avec les hélices, on se met en position aérodynamique et on y va. Si tout est éteint et qu'il est très surchargé, il commencera à couler enfin. Pas couler, mais à atterrir conditionnellement après avoir accompli sa tâche. Pourquoi avons-nous tout éteint alors Si vous avez des questions, écrivez sur Vcontact ou YouTube. Je vais vérifier l'un et ensuite l'autre. Désolé YouTube ralenti. En général, la présentation de base a été faite. Pour toutes les questions techniques, venez vendredi, nous discuterons de tout, nous expliquerons tout et répondrons à toutes les questions. Mardi prochain, j'espère que Pavel Philippov sera en direct et expliquera plus en détail les parts, les actions et le marketing. Un instant, n'oubliez pas de liker, de partager les enregistrements et d'aider le projet à se développer. C'est très important. Tout le monde pense, je ne sais pas qui, mais en général, beaucoup de gens repostent les vidéos. Merci beaucoup à ceux qui le font. Les présentations de deux heures ont beaucoup de vues sur V-Contact et c'est très agréable. Si vous ne l'avez pas encore fait, repostez les vidéos, les diffusions ou les enregistrements, s'il vous plaît. Sachez que cela aide beaucoup au développement du projet et rapproche le premier vol de notre dirigeable. Aimez et partagez les enregistrements. Appelez vos connaissances pour vérifier s'ils sont au courant de cette activité. Le fait qu'on puisse la suivre, qu'on puisse y participer, Rassemblons-nous et construisons ces grands, magnifiques cétacés célestes. Alors, je suis allé sur V Contact. Combien de temps dure la certification d'un appareil volant Cela prend plus d'un an, mais nous prévoyons moins d'un an. Le précédent certificat de type, bien sûr, nous ne l'avons pas utilisé pour voler. Mais il y avait un certificat de navigabilité. En général, nous prévoyons moins d'un an, et nous le ferons probablement encore plus rapidement parce qu'il y a des parties intéressées. Pas seulement nous, mais aussi mes collègues, d'autres instituts sectoriels, tout le monde veut qu'ils volent, et le certificat sera délivré sans problème. Les investisseurs pourront-ils acheter une maquette du dirigeable avec le logo du projet Je pense que oui, c'est possible. Si vous avez besoin de merchandising, écrivez simplement partout que vous en avez besoin. La production de merchandising nécessite également des fonds. Pour l'instant, le projet est à un stade initial et le financement n'est pas encore abondant. Quand le projet aura un ou deux ans, nous pourrons envisager tout type de merchandising. Si c'est nécessaire, nous le ferons. Moi-même, j'aimerais avoir un dirigeable moderne, pas un vieux modèle allemand ou autre. Mais un modèle contemporain. Bon, ici, ce sont des questions techniques. Les cargaisons transportées ont-elles des parachutes de secours, etc. Mais toutes les cargaisons seront différentes. Certains chargements seront spéciaux, comme des secours, s'ils sont très précieux, ils seront équipés. S'il s'agit d'un camion principal, juste standard, comme un semi-remorque, par exemple, alors il y aura des solutions standards. Si quelque chose est très cher, on peut même y ajouter des ailes et un moteur fusée. Mais, encore une fois, je le répète, les dirigeables sont tout de même la chose la plus sûre. Ce sera plus dangereux lorsque tout se développera au point où des pirates en dirigeables s'approcheront d'autres dirigeables. Là-bas, les parachutes sauveront pas. Bonjour, j'ai une découverte sensationnelle pour vous dans le domaine de la construction d'État. Mon ami défunt, le professeur, m'a laissé son idée unique dans votre domaine. Voici mon adresse. Écrivez-moi, vous ne le regretterez pas, Mikhail. Nous voyons. C'est agréable que vous nous voyiez aussi. Euh, vous êtes de Novosibirsk. J'ai compris. Nous écrirons immédiatement. Il y a un email, certainement. En général, tout a encore pris deux heures, même si on aimerait toujours que cela dure quarante minutes. Merci d'être ici. Et de vous intéresser aux dirigeables, cela signifie que nous sommes des âmes sœurs. Les dirigeables sont vraiment des baleines célestes, un sujet fascinant. Nous réussirons certainement. De notre côté, tout est prêt. Maintenant, nous avons besoin de votre activité pas nécessairement de l'activité, je veux dire courez, investissez, parler simplement aux gens du fait que la Russie a lancé la construction de dirigeables. C'est une nouvelle incroyablement géniale que j'ai vraiment envie de partager. Nous préparons des matériaux pour vous, de toutes sortes, et des vidéos et des présentations. Vous voyez, elles sortent petit à petit. Il y a des webinaires comme ça les mardis et les vendredis. Appelez, dites simplement, imagine, les dirigeables vont bientôt voler. Il faut regarder. Il faut observer, et c'est déjà une aide précieuse de votre part. Donc, on ne se dit pas adieu. On se retrouve sur les réseaux sociaux. A bientôt